Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera un tuto en partenariat avec la boutique Nez Joli. Donc ce sera pour faire cette bague. Donc je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos ainsi qu'un code promo de 10% sur la boutique Nez Joli. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Pour le matériel, il nous faut le support de bague et le globe qui viennent du site Nez Joli. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le code promo de 10%. Ensuite, je vais venir mettre des micro-billes, donc deux roses différents. Donc ces petites fioles-là, je les avais trouvées sur eBay. Si je vous retrouve le lien, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je les avais payées les 12, un peu moins de 2 euros, je crois. Et ensuite, je vais utiliser ma colle à bijoux, donc toujours la même. Donc là, je vais déjà ouvrir mes fioles. Donc je vais venir mettre une micro-bille. Comme je veux que ce soit bien mélangé, je mets un peu de chaque. Donc là, je trouve que j'en ai un peu trop mis, donc je vais venir en enlever un petit peu. Parce que je voudrais que les micro-billes elles bougent à l'intérieur de la bague. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai mis mes micro-billes dans mon globe, je vais venir mettre de la colle à bijoux sur tout le contour du globe. Donc on y va délicatement. Là, je viens placer mon support de bague. On presse bien. Donc là, on va laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai enlevé un peu de micro-bille pour que, en fait, elle bouge à l'intérieur. Enfin, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bisous à tous.